Dans Femmes de sport, on va discuter aujourd'hui d'un dossier chaud. Depuis plusieurs semaines, on en entend parler ici au Saguenay. Le fameux dossier du Soccer Dome. On en parlait avec notre chroniqueur Dominique Savard. Bonjour Dominique. Bonjour Michel. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Est-ce que ça va se réaliser un jour? Ça sera pas facile. Ça sera pas facile. Mais je pense que c'est une nécessité au Saguenay. Il y a des fois, on parle d'investissement, que c'est important, mais on parle qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a 5500 joueurs de soccer et joueuses. C'est le sport le plus populaire des dernières années. C'est un des plus populaires, après, avec le hockey mineur, puis il y a le baseball mineur qui a repris un peu, mais le soccer est pas mal plus important en quantité de joueurs. Puis là, ben, le soccer, c'est une discipline qui joue partout dans la province 12 mois par année. Là, on est rendu avec des équipes. Je pense qu'on a deux équipes qui jouent sur la scène provinciale. Dans le 3A. Exact. Mais ils partent non favoris parce qu'ils ne jouent pas de l'hiver. Exact. Ils peuvent jouer un petit peu à l'intérieur. Ce que je lisais en fin de semaine dans le programme week-end, là, il y a un terrain qui permet le 7 contre 7 qui est allemand. Allemand. Mais pour le jouer à 11 joueurs, parce que le soccer, ça joue à 11. Il n'y a pas de place. Non. On avait un projet avec des intérêts privés. Quand je dis on, c'est la ville de Saguenay. Ça a tombé à l'eau pendant les derniers mois. Là, ça revient dans le feu de l'action parce qu'on est en campagne électorale. Qui va payer? Le problème est là. Qui va payer? D'abord, c'est une priorité. Donc, les candidats à la mairie sont appelés à se prononcer. Ouais. On ne peut pas être contre la vertu. Non. Donc, tout le monde est d'accord avec un terrain, sauf est-ce que c'est une priorité? Ça, c'est d'autres choses. Ouais. Le lendemain, il y a eu le débat à la Chambre de commerce. Ouais. Là, il y a le candidat au PCS, Dominique Gagnon, qui lui a envoyé un communiqué qui est pour les saines habitudes de vie, puis il en ferait une priorité. Ouais. Mais qui va payer? Là, je vais essayer de répondre. Qui va payer, puis combien ça coûte? Parce qu'au départ, le projet était très, très gros, là. Il y avait des terrains de tennis et des ouellos. Ouais, mais c'était un centre multisport. Tu sais, c'est double multisport. Tandis que là, on parle d'un centre multisport. Comme je disais dans le journal que toutes les municipalités de 75 000 citoyens et plus ont un dôme ou un centre multisport pour permettre le soccer intérieur, notamment. Ça peut avoir d'autres disciplines, il peut avoir du deck hockey, il peut avoir d'autres choses dans le centre. À Val-d'Or, il a coûté 11,8 millions. Alors, mais entre 10 et 12 millions. OK. OK, on s'entend pour un dôme. Qui peut payer? Ça, c'est une clientèle qui touche aussi le scolaire, tu sais. Oui. Donc, comme l'aréna à l'université, la ville a payé, mais l'université a payé un grand bout aussi. Okay. Les cégeps, ils ont tous des équipes de soccer aussi, eux autres. Puis les commissions scolaires. Donc, on a deux cégeps, deux commissions scolaires, l'université, les subventions, la ville. Il peut y avoir même un partenariat privé-public. Possible aussi. Ça se fait. Ça se fait parce qu'on a plusieurs. Il y a plusieurs exemples. Il faut s'asseoir à la même table. Il faut commencer à se parler, mais il faut être d'accord que ça devienne priorité. Oui. Puis qu'est-ce qu'on fait, puis comment on finance. Oui. Mais je pense qu'avec 5500 joueurs ou joueuses de soccer dans la région. Il y a une demande. Il y a une demande même régionale, mais Saguenay, comme elle est plus populeuse, c'est ici qu'il y en a le plus, bien, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un dôme ou on appelle ça un dôme, là, ou un centre multisport pour jouer au soccer. Et où on le construit? Tu sais, parce que le premier projet, c'était sur les lignes de Chicoutimi et Jonquière. C'est ça. Près de l'autoroute. C'est probablement l'endroit idéal. Ça peut être ça. Moi, je pense qu'on va le construire où c'est le plus pratique pour tout le monde. Et probablement parce qu'on peut trouver le terrain ou la place la plus adéquate au niveau financier puis au niveau logistique aussi. Moi, je ris parce que, tu sais, c'est ça, Chicoutimi, c'est Jonquière, c'est l'abbé, il faut. Non, mais c'est même pas une question. Qu'il y en a un, c'est pas une question de Jonquière, Chicoutimi, près de l'autoroute. Oui. Où c'est facile d'accès. Je suis d'accord. Oui. Mais moi, d'un autre côté, je pensais aussi, tu sais, c'est le fun que le jeune, il n'y a pas beaucoup d'équipement quand il va jouer au soccer. Il peut y aller en autobus, ça fait aussi, là. Oui. Ouais. Tu sais, puis il faut pas que si les commissions scolaires ou si l'université est adjacente à ce projet-là, il va probablement la vouloir pas trop loin de son université non plus. Et ça va servir pour le civil et pour le scolaire. Donc, il faut que ce soit accessible à tout le monde, mais on verra qui embarque dans le projet. Après ça, on décidera de la place. Et si tu permets, Dominique, d'entrée de jeu, j'ai mentionné un sujet qui est chaud depuis déjà quelques semaines, quelques mois. Il y a un autre dossier chaud qui fait parler et l'actualité de sport et l'actualité en général, parce qu'il y a des coûts, donc ce sera politique. C'est la construction ou la rénovation du centre Georges Vézina. Ouais, toi, ton opinion, c'est quoi là-dessus? C'est un autre dossier politique présentement. Politique, parce que je ne suis pas sûr que le
Je serais pas surpris qu'il y ait une annonce qui se fait avant l'élection, que Jean Tremblay, avant son départ, puisse annoncer quelque chose avec le fédéral provincial. Il reste deux semaines. Il reste, trois semaines. Ouais. Sinon, moi, la priorité, ça serait rénover, dans le sens de refaire la toiture, puis qu'on puisse mettre une colonne de son, puis qu'on puisse pas obligé de déneiger tous les fois qu'il y a de la neige. Exact. Puis que ça puisse, la structure tienne. Faire des quelques rénovations. Construire un autre aréna, pour moi, présentement, c'est vraiment pas une priorité. C'est pas l'utilité pour l'instant. Le Sanjo Vezina est adéquat présentement. On a dit OK Junior. Oui. Tu sais, j'ai rien contre la Ligue Junior majeure du Québec. Au contraire. Et l'amphithéâtre n'est pas plein, là, puis, chacune des parties, là. C'est ça. Puis le patinage de vitesse, la glace est formidable pour eux autres. Ça a permis, même là, les bénévoles sont essoufflés. On a moins de compétitions internationales. Mais il y a encore la relève. Il y avait encore une compétition en fin de semaine régionale. Ouais. Pas en fin de semaine, mais il y a quelques semaines. Parce que et c'est l'endroit où il y a les meilleurs patineurs canadiens, puis même au monde. Là. Ouais, on a quatre qui vont aller aux Jeux olympiques c'est en ça. Patinage. On développe nos patineurs de vitesse. Les Saguenayens vont très bien par rapport... C'est vrai que dans les infrastructures, c'est désuet un peu parce que ça a été rénové. Ça fait 15-20 ans. 15-20 ans, oui. C'est ça. Mais on peut améliorer, mais de là à mettre un 50-60 millions, ben allons-y avec un 10 millions pour un dôme de soccer. Puis un autre 15 pour le San Jorge? Une quinzaine de millions sans job, puis après ça, ben on a, je suis monté, là, il y a des travaux dans les rues pas mal. Là, on pourrait réparer nos infrastructures, ça c'est un autre domaine. Ça c'est un autre dossier, mais c'est parce qu'il faut mettre nos priorités aux bonnes places. On ne peut pas être contre la vertu, si on gagne la loto avec le fédéral puis le provincial, puis ils donnent l'argent pour tant un nouveau sans job. Tant mieux. Ouais. Mais si c'est pour la municipalité qui en paye la moitié, c'est... Mais un nouveau Saint-Georges, c'est 60, peut-être plus. Tu sais, ça avait coûté 41 à Shawinigan, puis c'est il y a 10-12 ans. Là. Puis là, ben, un nouveau Saint-Georges, c'est 55, pont, 60, c'est 70 millions. Là. Ouais, c'est beaucoup. On a déjà rénové pas mal toutes nos arénas. Tu sais, Jean-Claude Tremblay, les deux glaces, foyer des loisirs, foyer des loisirs, des sports, il y a quelques années. Kenogami, le pavillon sportif. Oui. Marina Larouche. Marina Larouche, ouais. Donc, il y a eu beaucoup d'argent dans nos arénas, puis je pense que... On dit tout le temps qu'on manque de glace, mais il y a moins d'enfants, tu sais. Ouais. C'est comme construire plein d'écoles en espérant avoir des enfants plus tard. Mais c'est ça, là. Il faut... Quelques coups de chapeau. Samuel Girard, on parle de hockey. La semaine passée, j'étais Samuel Girard, le patineur. Oui, mais là, c'est le hockey. Là, parce qu'il y a homme tout de un Robert. Début à Nashville avec les Prédateurs. Incroyable. C'est un scénario pour la famille qui était là. C'est hollywoodien. Il était à Las Vegas. Ouais. Ah oui, en plus. À Nashville. Mais son premier but, Piqué Souban qui tombe dans les bras, le premier ministre, même Philippe Couillard qui écrit sur son Twitter entre Jean de Roberval, qui félicitait. Je trouve que c'est premier match, troisième étoile, deuxième match, première étoile. Avec un but et une passe. Là, il y a trois points dans trois matchs. Shawinigan me fait pitié un petit peu, là, parce que ils ont perdu Bouvillier à New York. Il est encore junior. Shawinigan me fait pitié dans ça, puis Marc Bergevin qui doit... il doit se mordre les doigts. Moi, je capote quand j'entends ça, par exemple. Comment il aurait pu savoir... Qu'en allant chercher Andrusha qui perdait Samuel Girard. Je comprends. Tu sais, j'entends ça à la radio encore, puis partout, mais arrêtez, là. Comment tu peux savoir ça un an d'avance que tu vas perdre Samuel Girard? Mais on aurait pu le repêcher, Dominique. Oui, mais il y en a plein. Il n'y a pas rien que les Canadiens qui ont posé le problème, mais c'est vrai que c'est un Québécois. Et je parlais avec la mère de Samuel la semaine dernière à la radio. Je lui ai posé la question, auriez-vous aimé que Samuel joue avec les Canadiens? Sais-tu qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Non. Non. Elle a dit mon mari, oui, il aurait voulu que je joue Canadien, mais elle a dit moi, non. Tu penses qu'il reste ce début de saison, là? Trop de pression. De toute façon, il aurait-tu joué à Montréal, là? Il aurait probablement pas joué. Bien, peut-être, parce que là, ils ont gardé. Mété. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, c'est trop. Moi, je pense qu'il va se développer très bien. Oui. C'est parce qu'on spécule. On spécule que là, il n'aurait pas dû échanger Andrusha pour un deuxième choix qui aurait servi à choisir un an et demi plus tard Samuel Girard. Ouais. Tu peux savoir ça dans... Voyons donc. Non, sans le savoir. T'sais, mais c'est ça. Dominique, ce qu'on dit, ça fait des on années. On a échangé Michel Bergeron pour Joe Sakic. Oui, je sais, Dominique. Ce qu'on dit souvent à Montréal depuis quelques années, on ne repêche pas de francophones. T'as raison. C'est Trevor Timmons qui est pointé du doigt. Et dans le cas de Samuel Girard. Mais il est tout seul à décider. Moi, je pense que c'est les adjoints. En tout cas, je ne veux pas parler de Ligue nationale parce qu'on adjoints à Marc Bergevin, là, c'est Samuel. Moi, c'est le coup de chapeau, là. C'est Samuel. Il y a un début de saison extraordinaire. Je suis inquiète pour la Ligue junior majeure. J'aurais voulu le voir jouer au Sanjo Vezina parce que c'est tout un phénomène. Ouais. On l'a vu au Palais des Sports lors des Jeux du Canada. Donc, la Ligue junior vient de le perdre et Shawinigan aussi. Ils ne reviendront pas. Ah, je pense que. Ben, parce que leur autre défenseur est blessé jusqu'au mois de janvier. Ouais, c'est ça. Puis lui, il va avoir joué ses 10 games. Donc, moi, je pense qu'ils vont le garder. OK. Autre coup de chapeau, Alexandre Boulay. Quel athlète?
En Ironman. L'Ironman, là, à Hawaï, c'est la plus grosse compétition. Ouais. Ça, là, c'est 3,9 km de nage, 180 km de vélo, puis 42 km de course, pas dans une semaine, là, dans la même journée. Dans la journée. Lui, il a tout fait ça dans, à peu près dans 9h53 minutes. Là. Ouais. Il a terminé quand même dans sa. Il est dans les 44 ans, puis il a terminé 46e dans sa catégorie, puis 302e chez les hommes. Ouais. Mais c'est gros parce que c'est des milliers de participants. Est-ce que le corps humain peut sortir d'une personne? On, il court un marathon, puis on est tout impressionné, mais il y a trois marathons consécutifs en nageant, en vélo, puis en. Moi, ça m'impressionne bien. En nage. C'est 9 km en nage? C'est 3,9 km. 3,9? Oui. 180 km de vélo. De vélo. Puis là, tu te rends à Québec, puis après ça, tu reviens à course 42 km. Tu sais, c'est puis là, tu es à Hawaï en plus. Là. Ça, doit pas, ça doit être assez chaud. Oui, bravo. Alexandre Boulay. Diane Gobeil, les d'or. Les d'or. Wow! Oui, championnat du monde. La Coupe du monde, oui. C'est la Coupe du monde de d'or qui était au Japon. C'est quand même, c'est bon, ça, d'aller faire les d'or. Puis elle a fini 17e, la madame de La Roche. Elle vient de La Roche, c'est ça, sur 104 joueuses. Donc, c'est une très belle performance. Il faut lui donner un petit coup de chapeau parce que ce n'est pas des disciplines qu'on parle souvent. Non. Mais c'est des gens quand même qui s'investissent. Ouais. Ils s'en vont au Japon pour aller. Et tantôt, Dominique, tu parlais du nombre de joueurs de soccer dans la région. Les joueurs de d'or, là. Faire tourner des clubs sociaux, les Chevaliers de Colombe, puis les. Ah, il y en a beaucoup. Les Aramis, ces choses-là. Il y a beaucoup. Il y a des tournois. Des tournois, oui, oui. Il y en a plein de ligues. J'ai déjà fait des reportages là-dessus dans le journal, là, mais. Il y a des centaines, très populaire. Et des centaines de joueurs de d'or dans la région. Oui, As-tu vu un peu les Marquis aussi, le début de saison? Les Marquis, bien, ils ont gagné, ils ont joué un match. Oui. Un autre qui a un bon début, une belle fin de semaine quand même, les même si de la misère, les élites, 3 points sur 4. OK. Puis on peut parler un petit peu des Saguenayens. Oui. Les Saguenayens qui, je pense que Yannick Jean était vraiment pas content vendredi de la performance. C'est ça, parce que là, il avait perdu, il y a une coupe, la mi-junior, eux autres, là. Hey, l'as-tu vu la coupe? Non, ça a l'air qu'elle est grosse. J'ai fait le saut quand ils l'ont dévoilé vendredi au Centre Georges Vézina, là, c'est gros comme ça, c'est quasiment la Coupe Stanley. Un beau trophée, un très beau trophée. Puis, donc là, ils ont perdu le match de vendredi 4 à 1 à domicile. Puis Yannick, t'es pas content? Vraiment pas. Il a défait son trio de Russes avec Samuel Houd. Ouais. Il parlait des joueurs. Dans le journal, quand tu lisais ses commentaires, là, les joueurs qui jouent en périphérie, qui jouent pas dans le système de jeu. Puis là, il était pas content parce que lui, quand ses joueurs jouent dans le système, puis ils donnent leur effort, le pointage, on verra. Ça, il l'a déjà dit. Oui, il l'a dit en masse. Puis l'année passée, il a fonctionné là-dessus. Puis les joueurs sont arrivés fin et prêt pour les séries. Puis. Lui, rentrez dans le système, puis donnez votre 100%, puis après ça, on va voir. Mais là, il était vraiment pas content. Okay. Ça a apparu parce que le lendemain, ils sont vengés à Bécomo. Cette fois-ci, c'est 5 à 1. Donc, c'est 1-1 dans la série de 10 matchs de la Coupe la mi-junior. Mais est-ce que, dans l'ensemble, tu es satisfaite de ce que tu vois chez les Sags depuis le début de l'année? Il y a des surprises, oui, des déceptions. Il y en a qui surprennent, puis il y en a qui sortent. Ben moi, la défensive, je suis assez impressionné des gardiens de but. Les deux gardiens, on ne s'en attendait pas, tu sais, c'est deux Chang, qui était bon midget, mais tu sais, tu arrives dans la grosse ligue, tu vas faire quoi? C'est ça. Puis même Boutillier. Boutillier, ils font un jeu, je veux dire, comme Yannick, ils leur donnent toujours la chance de gagner. Oui. Donc, ils sont toujours dans la partie. Mais là, en attaque, ça me surprend un peu. Olivier Galipo. Va très bien. Oui. Va très bien. Il y a quand même. D'ailleurs, les deux Climont, ça pourrait être mieux pour des joueurs de 20 ans. Oui, c'est ça. Il fait des passes. Là, mais il ne score pas beaucoup, mais il fait compter ses joueurs parce qu'il y a eu encore 3 passes samedi. Ouais. Mais, tu sais, c'est pas. Ben, peut-être que ça lui prend un petit certain temps. Là. Il arrive dans un camp professionnel, souvent, c'est comme ça. Ouais. Donc, le temps qu'il se mette en branle. Mais, tu sais, c'est coup-ci, coup-ça. Je ne suis pas satisfaite, mais on s'attend que ça ne soit pas nécessairement facile parce que c'est ce qu'on s'attendait qui ne va pas bien, puis ce qui va bien, c'est ce qu'on ne s'attendait pas. Donc, si ça va tout ensemble. On va essayer de balancer ça au cours des prochaines. Ça va se balancer, ça va mieux aller. Dominique Savard, merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine dans Fans de sport.